suite de, des études aux arts décoratifs, j'ai abandonné un peu le croquis pur, en fait, on va dire, et j'ai travaillé dans le stylisme. J'ai repris petit à petit le dessin pour faire des expositions. Là, je fais une maison que j'ai repérée en passant derrière la cathédrale de Reims. Bah, en fait, j'ai déjà fait une série sur des monuments célèbres à Reims et je renoue un peu avec cette idée. Bon, là, je ne vais pas travailler à la plume, je travaillerai, je pense, à l'aquarelle, mais comme cette maison est plutôt grise et peu de couleurs, ça sera une aquarelle grise. Comme la série que j'avais commencée, je continue dans le même esprit. Faire des monuments comme ça qui me surprennent ou que je pense assez remarquables pour leur donner en fait une vie un peu sur le papier. Là, c'est une aquarelle parce que je fais plutôt de la peinture en ce moment, donc je continue dans cette technique-là. Ce que je fais en ce moment, c'est une suite qui a commencé il y a à peu près 2 ans. Et je travaille sur une idée qui me taraude depuis ce temps-là. Ça concerne en fait l'association de l'élément minéral avec des branches d'arbres l'hiver. Donc ça paraît tout bête, mais plastiquement, ça a une signification du fait que les deux se confondent et que c'est intéressant du point de vue purement plastique. Voilà, ça a commencé par cette question-là. Et bon, j'ai l'habitude souvent de partir sur des idées simples. Et en fait, à partir de ces idées simples, d'autres idées se greffent et ça devient un petit peu plus philosophique entre guillemets.